célébrer les 72 heures culturelles de Canaan. Je suis très satisfait, très honoré déjà d'être parrain. Le bilan que j'en tire, ça a été, les 72 heures ont été un prétexte en fait pour un appel à l'unisson, à l'unité de tous les cadres de Canaan, de tous les fils de Canaan, pour qu'ensemble on essaie de gagner le pari du développement économique, social, culturel et même environnemental de notre localité. Pourquoi j'ai demandé maintenant qu'on essaie d'organiser les 72 heures départementales? Parce que vous savez, le département est large. Si chaque collectivité locale veut organiser ses 72 heures, actuellement j'ai remarqué, aujourd'hui nous voyons de finir nos 72 heures, demain Sintiane va reprendre, après ce Tchempeng, ainsi de suite, j'ai demandé au président du conseil départemental, dès lors qu'on a lancé un mouvement qui regroupe tout le département, le plan Canaan émergent, pourquoi ne pas unifier toutes les forces et faire des 72 heures culturelles du département? C'est pourquoi j'ai proposé effectivement qu'il y ait des 72 heures culturelles du département. Ça créera plus d'engouement, ça mobilisera plus de forces et ce sera vraiment un appel à l'unité du département autour d'un objectif, le développement en réalité du département. C'est ça qui est important. C'est pourquoi j'ai proposé qu'il y ait effectivement désormais des 72 heures départementales au lieu d'avoir au moins 30-72 heures. Mettre un cachet quand même sur les 72 heures de Canaan. On a voulu qu'il y ait un esprit culturel très fort. On a voulu aussi médiatiser nos 72 heures. Pourquoi? Parce qu'on veut que dans tous les coins et recoins du Sénégal, que les gens sachent que le département, il y a de l'engouement. Ça bouge dans ce département à tous les compartiments. C'est pourquoi nous avions pris une vidéo baisse. Nous avions pris... Oui, on a lancé effectivement le plan Canaan émergent il y a plus d'un an maintenant, un mois et demi. Depuis un an, on était en train de travailler au niveau des commissions et des sous-commissions pour rédiger effectivement le document stratégique de développement du département. Ce n'était pas une mince affaire, mais Dieu merci, on vient pratiquement de boucler le document. On va maintenant faire une séance de restitution au niveau du département. On organise deux séances de restitution. Une séance de restitution à Dakar où on invitera toute la diaspora et une autre séance de restitution dans le département pour pousser les jeunes, les habitants à s'imprégner réellement de notre plan de Canaan émergent. Et quel appel vous lancez également à vos cadets, ces jeunes-là qui vous ont honoré aujourd'hui? Oui, l'appel que je lance aux jeunes, bon, c'est l'appel à l'unité, l'appel au travail, à l'abnégation. Vous savez, on ne peut pas développer une contre-essence à la jeunesse. Moi, je compte beaucoup sur la jeunesse. D'autant plus que le plan stratégique de développement du département, on a dit, c'est jusqu'à 2035. 2035, en fait, ce sera eux qui seront les porteurs de ce projet de développement. Take care.